malheureusement, en Mayenne, on cumule les pertes, puisque c'est notamment l'élevage qui est en difficulté. Donc viande bovine, porc, lait. Et puis un autre élément perturbant aussi pour notre département, c'est la réforme de la PAC. La réforme de la PAC nous fait perdre 21 millions d'euros. La production bovine, de viande bovine, 65 centimes en manque de prix de revient, ça fait 80 millions d'euros de perdus. La filière laitière, donc on prend le nombre de kilos de viande multiplié par 65 centimes pour faire la perte. En production laitière, 1 milliard 150 millions de litres de lait, vous multipliez ça par 50 euros du mille toujours sur le prix de revient, ça fait 57 millions d'euros. Et pour la production porcine, 15 centimes en dessous du prix de revient, ça amène à 10 millions d'euros de perte. Le cumulé des trois productions rajoutées à la PAC fait que la Mayenne perd en net revenu, capacité d'investissement, 170 millions d'euros.